Merci Nathan pour un épisode de Cartouche 120 secondes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Métamorphose. Métamorphose est une BD créée par le collectif Squam. C'est une association culturelle qui regroupe plusieurs artistes qui travaillent ensemble sur des projets communs. Si je me trompe pas, il y a à peu près une centaine d'artistes qui travaillent sur les projets de l'association. Ils ont réalisé plusieurs artbooks, notamment Rock Motel qui reprend les figures de l'histoire du rock, ou 64 qui illustre les positions du Kama Sutra. Je ne les ai pas eu entre les mains, mais tous les deux ont l'air vraiment très beaux. Chaque projet a donc son propre thème sur lequel se basent les artistes pour créer ou une illustration ou une histoire. Et ici, ce sont les métamorphoses d'Ovid qui sont utilisées. On a donc 16 artistes qui travaillent chacun sur une métamorphose, avec une illustration pleine page et une histoire. Les mythes sont connus, on retrouve Orphée, Médée, Dédale, Icare, Narcisse, mais dans des univers très différents. Par exemple, Pygmalion devient un architecte des années 60, Médée une princesse de SF, et Narcisse et Echo deviennent des lycéens actuels. Bref, autant d'univers que d'auteurs. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment chaque artiste retranscrit un mythe, et de voir comment il se l'approprie pour recréer une nouvelle histoire. On ne retrouve pas tout de suite de quel mythe il s'agit, et des fois on attend presque la dernière case pour se dire « Ah oui, c'est ça !» Enfin, en tout cas, si on ne lit pas le petit dépliant, très pratique, qui nous rappelle un peu les métamorphoses, des fois qu'on les ait un peu oubliées. Métamorphose est un projet autoproduit, et je voulais vous présenter quelque chose qui sort un peu des circuits traditionnels des maisons d'édition. Je ne crois pas qu'on puisse le trouver en librairie, il va surtout se trouver en festival ou directement sur leur site, et on vous met le lien en description. Je recommande Métamorphose pour les gens qui aiment bien le côté nouvelle, le côté petit récit ou exercice de style qui se lit très rapidement. C'est plutôt une BD à lire sur un temps réduit, c'est pas quelque chose qui se lit sur la durée, c'est plutôt des petites histoires très courtes. Et puis ça permet de découvrir le style graphique d'une quinzaine d'artistes, et ça c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de jeter un coup d'œil à Squam, et je vous dis à bientôt.